Je suis ici toujours avec Benoît de Normandie Coy. Bonjour Benoît. Bonjour Patrick. Alors, moi ça va bien. Alors ici, un beau petit bassin, sympa parce que bon, un bassin en ville. Tout à fait, en plein centre-ville, oui. Ouais, ouais. Alors on dira pas quelle ville, mais c'est pas important. Bah, c'est le Havre, hein, tout simplement. C'est un havre de paix, on va dire, ici. Exactement, oui. Ouais. Alors bon, dis-nous un peu plus sur le bassin, en fait. Ici, quand même, techniquement, très... Alors là, c'est un bassin qui était existant, qu'on a agrandi. Modifié un petit peu les courbes. Et donc on a fait tout l'aménagement autour. Et puis on a fait une filtration. Avant c'était une filtration en pompage. Et là on est passé en gravitaire. Alors oui, bon, deux bondes de fond ici. Deux bondes de fond en 110 et un skimmer en flottant en 110. Deux retours aussi, je veux dire, tangentiels. Retour, on a un retour pour la cascade et puis deux retours en bouge de refoulement, deux bouges de refoulement. Bon, ce qui est intéressant, c'est que tout ça est modulable, je veux dire, on peut régler tout ça avec des vannes au niveau de la filtration. Au niveau de la filtration, on peut jouer avec les vannes guillotines et puis aussi pour les retours, on peut jouer l'hiver, on peut laisser toutes les deux bouges de refoulement et couper la cascade. Alors bon, filtration justement, bon, on a quand même quelque chose de très abouti, hein. Oui, tout à fait, ouais. Un combi 30 ou 50, combi 50 de chez Profidrome. C'est ça. Alors, avec une belle pompe. Oui, tout à fait. Régulateur. Avec variateur, tout à fait. Une pompe ProJet et avec un variateur de 3 chevaux. C'est ça. Bon, bah, avec tout ça dans un...
un petit local qui n'est pas totalement fini parce qu'il y a le musée qui doit encore faire quelques décos là. Mais tout bon. À fait, mais il y a quelques petites finitions, mais c'est un local très sympa, ouais. Un peu japonisant, ouais. C'est ça. Alors bon, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on voit le local comme ça, et puis quand on ouvre la porte, il y a un fameux trou. Hein. Ouais, tout à fait, on est un peu surpris. Oui. Alors bon, c'est normal, puisqu'on est en gravitaire, donc voilà. Ici, le client, il a encore des petites choses à aménager au niveau des poissons, parce qu'il y a de la sélection à faire. Là. Il y a un peu de sélection, ouais. Pour l'instant, c'est des poissons qui étaient d'origine. On va faire un tri hein, sur ces poissons-là. Et il y a trois coilles qui sont actuellement dans le magasin qui attendent d'être mis là, tout simplement. Et puis on va essayer de choper les lapins, donc autrement dit les poissons rouges. Les poissons rouges, tout à fait, ouais. Donc pas facile à attraper. Bon, un filet, ça va le faire. Oui, tout à fait, ouais. Donc bien, quelque chose d'autre à rajouter sur ce bassin ? Peut-être le volume ? Le volume, là on a un volume de 23 mètres cubes, si je me trompe pas, hein, Jean-Mi. Très belle réalisation ici. On peut remarquer que le jardin était aussi aménagé. On a modulé tout le jardin, hein. On est reparti sur quasiment la totalité du jardin. Oui. Alors un beau petit jardin de ville, comme quoi qu'il ne faut pas non plus avoir un jardin gigantesque hein, pour se faire un beau petit bassin. En posant un grand espace pour se faire plaisir, hein, tout à fait. Alors évidemment, on ne voit pas ici, mais il y a une belle véranda. Je veux dire, les propriétaires peuvent profiter pleinement du bassin à partir de leur véranda. Ah ils profitent, à mon avis, tous les jours et à n'importe quelle heure. Quoi. Absolument. Et encore une belle réalisation de Normandie Coy. Je dis à très bientôt. Et puis, en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Salut.